Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 20e épisode du Let's Play sur GTA San Andreas et on va tout de suite commencer sans plus tarder avec la mission des Chintok. Ouais, les petits Chintok, on est sympa avec eux, plus sérieusement c'est qui déjà de contact parce que bon moi j'ai un peu oublié. Alors légende, blablabla. Ouais c'est les triades, hein. Bon, c'est les japonais si on préfère, Chintok. Japonais, faut faire la distinction, mais tant qu'on ne fait plus l'école de pilotage, moi ça me va parce que c'était affreux le dernier épisode. Voilà, vos épreuves là, heureusement qu'on a plus à les faire et que c'est fait une bonne fois pour toutes. Du coup, c'est parti, allons-y. Photo opportunity. Hey, you got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit, we gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection. And I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Ok, on va chercher César. Alors c'est à l'extérieur de... Oh, retourne dans les Badlands. Ça me dérange pas d'y retourner. Ce qui me dérange, c'est que c'est loin. Putain, moi qui pensais être arrivé à San Fierro pour faire uniquement des missions à San Fierro, on repart encore à Badlands. C'est pas possible. Ah ouais, mais c'est loin, quoi, à chaque fois. Oh, la tristesse. Bon bah c'est comme ça, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Ce qui me dérange le plus, c'est pas que ce soit loin, mais que c'est à chaque fois le trajet, c'est compliqué, tu vois. Je sais jamais par où vraiment il faut passer pour être sur la bonne route. Oh c'est chiant. Hein. Dans ce jeu, tu serais parfait si t'aurais pu avoir le trajet sur la route comme ça quand tu mets un point. Ah t'aurais été excellent pour alors. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi ils ont pas fait une mise à jour vu que c'est la version PS4? Pourquoi? Trop de questionnements, pas assez de réponses. Oh là là, c'est triste. On ne bloque pas toi avec ton arrière là, non mais oh. Alors bon, je suppose qu'il faut déjà passer par là, mais après, ça va être compliqué, hein. Enfin, pourquoi vous êtes obligé d'être Badlands les balades, vous êtes sérieux? C'est pas cool en tout cas, hein. Je trouve que c'est vraiment pas cool. Finalement, j'étais peut-être bien avec mon école de pilotage, parce qu'au moins j'étais sûr que ça se déroulait à San Fierro et pas ailleurs. Dans le petit parking là où je sais pas ce que c'était là, tu bougeais pas trop quoi, t'étais vraiment bien. Alors là, du coup, alors itinéraire, on va faire le point au niveau de l'itinéraire, on va faire le beau jeu. Putain, le dézoom à chaque fois qui est très très long. Alors ouais, là il faudrait aller tout droit pour tourner à droite, et après, bon, après on aurait le point. Bon, ça va, c'est pas si loin encore, hein. Mais je veux pas que tous les missions ils m'emmènent ici, hein, parce que sinon on va pas être copains. Là voilà, j'ai que allongé la côte. Ça va encore. Hein. Par contre, il y a trop de trafic là. Ça fait des bouchons. J'aime pas ça. Déconnez un peu là. Lui, je le sens pas en confiance vu comment il conduit aussi. Ok. Bon, bah là, ça va être un peu plus tranquille normalement. Du coup, là, il fallait tourner à droite, non? Yep. Déjà, ça va vite. Oh là, mais. J'arrive pas à conduire, hein. On va au moins tenir avec le taxi, je pense, jusqu'à arriver à la destination. Bon, après, il faudra sûrement s'en séparer parce qu'il sera dans trop mauvais état. Bon, si au moins on arrive jusqu'à la destination, ce sera déjà bien. Un bon truc. D'ailleurs, est-ce que... Ah non. J'ai dit, est-ce qu'on pouvait couper à travers champs, mais... Mais non, on ne peut pas, il y a une rivière. Il y a de l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Toi, je prendrais bien ta moto. Non, laisse tomber, en fait. Ah oui, ici c'est le truc industriel là. Oui, je vois. Putain, je me tape vraiment tous les véhicules. Hein. Ça fait une semaine que je joue à San Andreas, j'ai l'impression que je ne sais plus combien. Ça, c'est avec l'école du pilotage, hein, je pense. Hein. C'est surtout dû à ça. Hein. Ils m'ont fait tellement de conneries que voilà quoi. Alors, monte dans la caisse de César. Bah, parfait. Une nouvelle voiture. Allez, allons-y. Putain, j'aurais jamais pensé normalement. N'empêche, en commençant le jeu, qu'on aurait. Que César ait une place aussi importante dans le jeu, quoi. Va Angel Pine. Oh non, 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 mais ça sent encore en pleine cambrousse. C'est où Angel Pine? Ah, c'est la ville de départ de Badlands, mais non, mais ah, vous abusez là. Hein. Oh. Alors là, itinéraire. Ça va être un itinéraire plutôt compliqué là. Hein. Ouais, je pense qu'on va prendre l'autoroute, hein, tout simplement. On va faire ça, on va prendre l'autoroute, et après, bon, on longera la côte. Hein. Je sais qu'on peut faire plus rapidement, là, en passant hein, tous les trucs, mais ça risque d'être le bordel, et je vais sûrement
me tromper de chemin au bout d'un moment. Donc non, on va passer par l'autoroute, c'est pas grave. Putain, mais je me paye vraiment tout, hein. Hein, ça m'a pas réussi, hein, je le sens, l'école du pilotage. Normalement, c'était censé m'améliorer. Mais je sens que ça fait plutôt l'effet contraire. Je suis devenu très très nul. C'est triste. Ouais, mais en même temps, on a fait tellement de trucs loufoques, tu m'étonnes, hein. La répercussion après. Aïe. Putain, là, non, non, non. 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 Mais t'es sérieux? J'ai pas de chance. Mais fuis! Ah! T'as bousillé la caisse, non, mais sérieux, mais. C'est quoi cette malchance? Mais non, faut tout recommencer! Ah. Oh non, mais t'es sérieux, il faut retourner à San Fierro! Non, j'en peux plus là. C'est quoi ce début d'épisode catastrophique de gros malchanceux? Mais c'est pas possible! Oh. On peut pas se téléporter, on peut. Non, putain, j'ai pas envie. C'est foireux, c'est dégueulasse. Ellipse. Oh non, je suis dégoûté là. Grosse ellipse. Oh. J'arrive bientôt, mais je suis en danger. Regardez mon véhicule! C'était pas vraiment une bonne idée de prendre cette autoroute, je vous le dis, parce que je me suis fait balancer dans tous les sens par les camions qui avancent à 10 000 km à l'heure. C'est. Oh là là, c'est horrible. Donc là, je pourrais vraiment bien rager, je pense, si mon véhicule se fait détruire une seconde fois. Putain, mais. Oh non, 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 c'est pas une bonne idée, non, non, non. Oh là là, il y a vraiment que des mauvaises idées ici, j'ai l'impression. On va y arriver, hein. Et j'espère qu'il n'y a pas besoin de plus du véhicule après, parce que non, moi j'en peux plus. Hein. C'était horrible, le trajet était horrible. Ah, c'est bon. Putain, on est à contresens, faut faire gaffe, parce que s'ils sont encore à 10 000 km/h, je vais m'en prendre une, moi. Je vais en prendre une, ça va être sympatoche. Ok, c'est bon. Eh non, mais c'est con, n'empêche. On n'aurait pas pu le rejoindre directement ici, plutôt que faire des trajets complètement nawak. Alors, monte sur le toit. Ok. Attendez, on va pas mettre quand même une arme dans nos mains, même s'il y aura sûrement besoin, parce que c'est une embuscade qu'on va faire, là. C'est quoi le truc? Ok. J'ai même pas envie de fail la mission parce que. Ah! Photographie, visage et sim, ne rate pas et assure-toi qu'il soit discernable. Oh lolo, je le sens pas. En plus, c'est. Non, c'est bon. Mais ils sont où tes cibles? Ah, elles sont là, ok. Mais. Photographie, son visage, oui, mais. On sait qui c'est, hein. Mais. Je. C'est quelle touche déjà? Ah oui, c'est rond. Zoom un peu plus. Mais oui, mais... Putain, tout est inversé, là. Ça m'énerve, les touches. Prends une photo de sa tronche, mais je peux pas, putain. Mais t'es sérieux? Il se retourne pas, ce con. Mais non, mais il est de dos, maintenant. C'est pas possible. Oh là 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 là. Eh, j'en peux plus, déjà. Hein. Tout ça parce que les touches, ils étaient... Oh, putain, mais non, mais c'est pas possible. Oh, j'en ai marre. Allez, une autre ellipse encore. Mais c'est foireux comme mission, mais t'es sérieux? J'en peux plus, j'en peux plus. C'est le début d'épisode le plus catastrophique de n'importe quel let's play que j'ai jamais pu faire. Oh, tout ça pour faire des photos, putain de merde! Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais me tape pas, toi, me tape pas. C'est-à-dire que j'allais reprendre la vidéo avant. J'arrive ici, du coup, là où... Je suis actuellement, je roulais tranquillement pour rejoindre l'objectif et là, j'essaye de couper à travers champ normalement. Sauf que j'avais pas vu qu'il y a une putain de boss, cette putain de boss a relevé mon véhicule et ça m'a fait perdre. Du coup j'ai dû refaire une seconde fois le trajet, donc c'est là, la seconde fois, enfin la seconde fois, non c'est pas la deuxième fois, mais la deuxième fois en off. Donc là il y a vraiment intérêt que je réussisse ce putain, cette putain de photo et j'espère qu'il y en a qu'une parce que j'en peux plus, j'en peux plus. Combien de fois j'ai refait le trajet, je les compte plus, mais c'est horrible quoi. Bah du coup j'en ai fait quoi, 4 fois, 4 fois le trajet, tout ça pour une photo. Quel début d'épisode, hein. Quel début d'épisode, c'est effroyable. Oh, je suis même pas encore sûr de réussir là quoi. Si en même temps on m'aurait donné un autre véhicule qu'un lowrider, j'aurais pas fait tout ça. Bon, là au moins c'est bon, je suis habitué à la maniabilité de cet appareil photo qui est dégueulasse parce que la sensibilité est dégueulasse. J'espère qu'il n'y aura pas le même fail. Rond pour prendre la photo. Rond, on est d'accord. Hein. Voilà. On a vu que c'était Ryder. Parfait.
Et là, du coup, c'est notre prochaine cible. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? T-Bone? Et c'est bon? Photographie son visage. Ah! Merde! Mais j'avais pas vu! Mais mec, j'avais pas vu! Mais non, mais non, mais non, mais non! Je vais encore fail! Mais j'avais pas vu qu'il y avait un mec qui arrivait là! Mais comment je pouvais savoir? Je vais encore Hey, devoir who's the green recommencer. wolf? Ah non, c'est bon. I don't like the look of that guy. This more than a few thugs push a product. It's a serious organization. Et là encore. How many of these clowns are there? Oh là 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 I là. know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of Eh, j'ai nothing eu chaud là, incriminating. hein. Il y a un peu de chance dans ma malchance finalement. Un peu, un chouïa. Dis-moi que c'est fini, je veux plus de cette mission. Je veux plus que tu m'en parles, rien. Nada, nada. Putain, où on va là? Où on va? Dis pas qu'il y a une fusillade maintenant, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas des photos That was encore, some j'ai heavy trop peur des shit. photos. We better split up and get out of Non, c'est here. bon, I'll c'est meet you back fini. at the garage, eh? Coolio, we Mais tu got me some laisses trade là! to go anyway. Je vais faire tout refaire le chemin! Oh là là, tout ça pour des photos! Je crois que ça va être ça le titre de la vidéo. S'il n'y a rien d'autre important qui se passe dans la vidéo, utilise ton appareil photo pour découvrir San Fierro, qui sais-tu? Oui, bon, hein. Ce sera ça le titre, hein. Ce sera tout ça pour une photo. Parce que là, enfin, pour des photos, mais bon, non, non, vous avez abusé, hein. Encore, ça aurait été une fusillade, ok, non, mais là, là, on a fait tout ça pour 4 photos! C'est rageant. Bon, alors, ah, on a un chemin ici, tiens, qu'on n'a jamais pris d'ailleurs, non? Vas-y, on va prendre cette voie là. Alors, c'est par ici, non? Oh là 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 là. Non, mais sérieux, vous avez... on a fait le tour de Badlands pour 4 photos. Et j'ai fait 4 fois le chemin pour m'y rendre, quoi. 4 fois. Dont 3 jusqu'à la ville là. Jusqu'ici. Jusqu'à Angel Pine. Mais vous abusez, hein, vraiment. C'est de l'abus. Donc là, si je prends cette route, je vérifie quand même l'itinéraire. Ouais, c'est bon, c'est parfait. J'arrive pile à San Siro. Oh là là, vraiment, hein. Je pouvais pas commencer cet épisode de manière plus dégueulasse, je pense. Bon, vous, finalement, c'est pas très grave. Vous avez fait des ellipses, mais oh là, horrible, quoi, le truc horrible. Quel cauchemar. Parce que là, moi, de mon côté, ça fait au moins... ouais, ça fait presque une demi-heure que j'ai commencé l'épisode, quoi. J'aurais déjà dû le finir, si j'avais pas eu de problème. N'importe quoi. Oh là là. Quelle poisse. Et encore, ça aurait pu être pire s'ils avaient pas capté le visage du troisième mec, hein. En même temps, là, ne connaissant pas la mission, je pouvais pas deviner qu'il y avait un troisième qui arrivait d'un autre endroit. Mais j'ai eu de la chance dans cette malchance qu'il capte le visage alors qu'il n'était pas de face, hein. Oh là là, parce que sinon j'aurais dû encore commencer et refaire le trajet. Ça aurait été horrible, tout simplement horrible. Bon, ouais, du coup, je préfère presque faire les missions de Zero ou faire des fusillades que ça. Hein. Parce que là, non, c'était. Waouh. Et je comprends pas pourquoi c'est une mission pour les triades. Quel est le lien avec les triades là? Ouais, non, par contre là, vaut mieux tourner. Hop, on va tourner ici parce que sinon. Oh, et voilà ce qui se passait moi quand j'étais en off là sur les autoroutes. Putain, les mecs ils me bousculaient dans tous les sens. Ouais, le mec il a une batte de baseball. Il me bousculait dans tous les sens, mais j'étais dans le bon sens quoi. J'étais pas à contre-sens au niveau de la route, mais il me bousculait quand même dans tous les sens. C'était horrible. Aïe aïe aïe. Donc voilà, ici on n'est jamais venu. Il y a même la plage. Après, on s'en fout qu'on soit jamais venu. Ce qui nous importe c'est de rejoindre le garage que je sauvegarde tranquillement. Ça ira déjà un peu mieux. Oui, parce que je me sentirai confiant uniquement quand j'aurai sauvegardé. Tant que j'ai pas sauvegardé, je suis encore dans la merde psychologiquement. C'est mal, tu vois, c'est dans le mal hein, que je suis. Hop, et toutes les aventures que j'ai eues avec la police aussi en off, oh, je vous en parle pas. Hein. Vraiment, c'était. C'était de la galère dans tous les sens. Hein. Ah, là, ça monte d'ailleurs. Et que monter. Bon, on y arrive, hein, normalement. Le garage, il est là. Ah bah tiens, il y a école du pilotage. Bah tu me manques, école de pilotage, tu vois. J'avais pas tant fail à cet emplacement que cette mission-là.
Bon, on y arrive, oh là là. Enfin, enfin. Et encore, heureusement qu'à chaque fois, je pouvais reprendre ma sauvegarde d'avant pour retourner ici directement, hein. Parce que sinon, j'aurais eu encore plus de trajet, j'aurais eu l'aller-retour. Pire de chez pire. Bon, du coup, hop, hop, voilà, sauvegarder. Allez, seconde mission. Jeezy. Jeezy, ouais. If you want. Hey man, you get the flicks developed. So cool. Ah bah voilà, oui, c'est parce qu'il y a eux. I was just explaining. Je l'aime bien lui. Brother-in-law, that we were friends. Oh yeah? Well look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Toi, je t'aime bien. Putas, Holmes. Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? Tous devoir les tuer. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gant Bridge. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. T'es un bon, toi. T'es un bon, Woozy. Un très bon gars. Ok, va à la boîte de Jeezy. C'est le crâne là. Oula, un crâne. Loco. Ouais, Loco Syndicate, du coup, oui, c'est ça, non? Je pense, hein. C'est bizarre que ça nous mette quand même un logo comme ça, parce que d'habitude, ça nous met un indicateur, et puis voilà, quoi. C'est bizarre que ça nous mette ça, mais bon, ça doit être bien notre destination. On va reprendre le véhicule, je voulais prendre un nouveau, mais ça va être encore la merde, la police et tout, donc je préfère pas. Ok, ok, ok. Donc là, il semblerait qu'on ait eu nos cibles avec ces photos, nos cibles pour le jeu. Ça peut-être être la trame conductrice, en fait, du jeu, du reste du jeu. Nos cibles, quoi, nos targets. Ouais, faut voir, hein. Après, dans tout ça, il y a aussi Tupeni et d'autres, hein. Il n'y a pas que ces quatre-là. Mais le fil conducteur se dessine. La vengeance arrive. Comme d'habitude, vengeance, hein, GTA. Toujours de la vengeance, on connaît. Voilà. Donc je sens bien la fusillade là par contre, tu vois. Hein. On en a plus trop en plus en ce moment des fusillades. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Je le sens, ça va revenir. Là on va aller du coup dans une partie de San Fierro qu'on ne connaît pas. Jamais été. Ah, par contre, ouais, vraiment à l'occasion, il faudra changer de véhicule. Hein. C'est plus possible. Ah oui, ici c'est les petits quartiers là. Oh, petit quartier sympa. Mais t'es sérieux, mon vous avez vu la habilité au volant? Mais mec, elle a pas bougé mon habilité. Par contre, comment ça se passe? Ouais, c'est en bas. Parce que oui, là, en somme, on peut pas avoir, hein. Mais moi, ma habilité au volant, j'ai l'impression qu'elle a pas augmenté alors que j'ai fait tous les trucs de conduite. Ça nous servait vraiment à rien ce que j'ai fait le présent épisode. Hein. C'était juste pour vous montrer le truc, mais au final, ouais. L'habilité, c'est comme si elle avait pas monté là. Hein. Oh la merde. Là d'ailleurs, il y a un gros cargo. C'est-à-dire qu'il y a un port là. Non, il n'y a pas de port pourtant, c'est juste un gros cargo. Je sens qu'on ira vers ce cargo. Et cette zone me semble être une belle zone de combat. C'est tellement isolé le truc. Ah, mais c'est le pont. Ah, le Golden Gate Bridge, il est ici, je me disais aussi, il était où? Il est là. Ok, donc c'est la zone qui nous mène de San Fierro jusqu'au désert. Le Golden Gate Bridge, bon, il s'appelle pas Golden Gate Bridge parce qu'ils ont pas les... Ils le font pas, quoi, c'est une parodie GTA, mais bon... vous comprenez, quoi. Ok, alors, donc ça, c'est une boîte de nuit. Ça ressemble un peu à Watch Dogs 2, hein, cet endroit-là. Enfin, le bâtiment, juste en dessous du pont. When I walk down the stairs, I'm walking down on mint carpet. Now who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. On va travailler pour lui. To work for a guy like Jizzy B,
Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. See, I only got two eyes, and in these streets, you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes everywhere. Now, some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you to go find out. No problem. You're my player partner now, Jizzy. Ouais, genre, pour s'infiltrer, on va travailler pour lui, quoi. Aïe, 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 aïe. Wait up, Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope Mobile. Ok, non mais comme quoi ils ont bien reproduit les choses, parce que vraiment il y a un bâtiment ultra similaire dans Watch Dogs 2 en dessous du Golden Green Bridge. La même chose, vraiment la même chose. Donc, ils ont bien reproduit, hein. Donc ça serait, il avait dit que c'était l'ancienne forteresse Woody là. Donc ouais, il y a une belle reproduction, il y a vraiment le même bâtiment. Je sais pas si je vous l'avais montré dans le let's play, parce que je crois que j'avais été à cet endroit en off. Mais c'est vraiment la même chose, c'est étonnant quoi. C'est drôle parce que du coup voilà, c'est deux let's play que je vous fais en ce moment, mais les choses ils s'entrecroisent, hein. Ouais, ouais, donc t'es une pute. Donc il faut l'amener à l'hôtel. Ah mais nous on doit trouver un type et on doit l'amener à l'hôtel. C'est quoi le lien? Pas très logique tout ça, hein. Putain, n'empêche ça monte, hein. Dans Watch Dogs 2, ça monte pas comme ça, hein, les rues. Hein. Ils ont un peu abusé sur le dénivelé, là, parce que c'est brutal, hein. C'est n'importe quoi. Non, vraiment, San Siro, en fait, c'est... Ouais, c'est San Francisco, hein. C'est la parodie de San Francisco. Alors que Los Santos, c'était Los Angeles, quoi. Et après, bon, on a Las Vegas aussi, avec la Santuras. C'est bien, ils ont fait les trois, quoi. Parce que vous voyez, Liberty City, bah c'est que New York. Et Vice City, c'est pareil, c'est que Miami. Là, on a trois villes quand même, trois grosses villes dans un seul jeu, dans une seule map. C'est énorme, hein. Même sur GTA 5, vous voyez, il n'y a pas ça, hein. Donc c'est, ouais, c'est vraiment énorme de chez énorme. Hey Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church, got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player, been trying to peel my hoes over in Hashbury. Oui, bah, c'est lui, hein, on était parti pour lui normalement. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Ouf, 2 minutes. On a 2 minutes, bute le Mac. Bon, ça doit pas être très compliqué, mais le plus compliqué, c'est le temps. Ok. Bon, je sais pas exactement où il est, mais il doit pas être si loin que ça non plus, il me donne que 2 minutes. Aïe, aïe, aïe. Faut se dépêcher, hein, j'ai vraiment pas envie de perdre. Parce que vu ce qu'on a fait encore comme trajet, la flemme de recommencer, hein, tu comprends. Tu comprends, tu comprends. Vous comprenez. Alors je pense que là on est bien sur la bonne route. Je vais quand même vérifier, rapidos. Ah ok, c'est ici. Ouais mais sauf que là il faut que je tourne à droite pour prendre cette rue. Parce que sinon je vais passer avec le truc et je vais aller là. Ce serait pas bon. Donc il faut que je tourne. Je tourne ici comme ça et que je fasse du coup le tour comme ça. Ça va le faire normalement. Là normalement j'ai pris la bonne route, j'espère. Je suis même pas sûr, tu vois. Oui, il y a un joli hôtel ici d'ailleurs. Non, normalement c'est bon, on est pile dans la bonne ruelle. La bonne ruelle. La bonne rue plutôt, c'est pas une ruelle ça. Vu la taille. Attention, j'ai pas envie d'écraser les PNJ pour avoir la police non plus. Ok, c'est ici, donc bing bong. C'est devant ou... Non, c'est lui, là, je pense. La meuf, non, tu es sérieux? Oh, mais non, mais vraiment, c'est l'épisode de la grosse malchance, quoi. On doit tout recommencer. Enfin, tout recommencer, non, mais... C'est sérieux, quoi, mais t'es sérieux?
Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi elle était à côté là? Putain, moi je l'ai pas vu de loin, du coup je suis foncé. Et ben non, super. Encore de la malchance. Et à chaque fois la malchance, ça se passe pourquoi? Parce que je connais pas. À chaque fois c'est pour ça. Sinon j'y arriverai hein, si je connais ça. Bon bah encore ellipse. Allez, cette fois c'est la bonne. C'est la bonne. De toute façon je vais pas encore me refail hein. Maintenant je sais que le mec il est juste à côté de la fille. On va descendre du véhicule, on va le fusiller et puis c'est bon. Ça devrait bien se passer quoi. Ah, je peux pas faire deux fois la même erreur, c'est sûr. Après, le problème, s'il y a encore quelque chose après, oui. C'est vrai que là, pour alors, l'erreur pourrait se reproduire. Mais là, sinon, je vois pas ce qui pourrait nous faire un petit fail. Bon, après, je vous dis direct qu'on s'arrête là, hein, pour l'épisode, une fois que ce sera fait, parce que j'ai pas envie de continuer. Même si, effectivement, je vais quand même tourner le prochain épisode à la suite. Mais bon, je me dis, nouvel épisode, moins de fail, nouvelle chose. Tu vois, du renouveau, donc ça devrait mieux se passer. Parce que sinon, avec Alamba. Ok, donc on va se mettre ici et on va prendre ça. Here comes my player, now you in real trouble. I swear you have no business touching me. J'aurais pu prendre une autre arme, c'est pas grave. Remonte dans la Mac mobile. Putain, j'adore son nom quoi. Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashbury. Worry? Did I say I was worried? No, I did not. Now, ah, très bien. Oh non, c'est pas fini. Ah putain, il y en a encore. Ah là 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 là. Putain, oh là là. C'est pas du temps, mais c'est pareil. C'est pareil. Vu que la vie, elle va descendre. Je sais pas encore où c'est. Et ça, c'est un gros problème. Ok, faut passer par là du coup, non? Genre, faut passer par là, on est d'accord, là je suis sur le bon chemin. Je vérifie pour être vraiment sûr, j'ai pas envie de perdre. Ouais, on prend tout droit et on arrive. Ça a l'air d'être sous un pont ou un truc comme ça par contre, non? Sous une autoroute, je sais pas, il y a un truc. Ah ouais, ouais, c'est en bas de nous normalement, je pense. Attendez, là on descend, donc non, peut-être pas en fait. La police, non, c'est pas le moment. Si, si, non, en fait, c'est bon. Ok, ouais, ok, je vois où c'est. Si, si, c'est en dessous en fait d'un pont, non? Bute les deux clients. Ah, mais ils sont où exactement là? C'est là? Ouais, c'est là. Ok, donc remonte encore dans la map mobile, ok, ouais, c'est bien ce que je pensais. Est-ce qu'il va y encore en avoir ou c'est bon? Ah, le téléphone, il est dans la map mobile, ok. Ok, putain, c'est pas intelligent de l'avoir laissé, parce que t'imagines, il y a un train qui arrive, là. Aïe, 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 j'ai envie de reculer, je me sens pas bien, là. Oh, il y en a encore. Putain, il y a le train. Oh, c'est bon. Putain, heureusement qu'il passe comme ça le train. Hein. Oh, et on a du bol que c'était. Voilà quoi. Va à l'hôtel dans le centre-ville, ok. Imaginez, c'était l'autre voie. Putain, je me prenais le train là, je sais pas ce qui se passait, si je mourrais ou pas, mais. Il y aurait eu des répercussions en tout cas. Donc là, il suffit d'aller à l'hôtel, ok. Donc là, on l'avait largué la première. Oh là, quel bordel n'empêche hein. Quel bordel. C'est pas si catastrophique que ça après cet épisode. Bon, j'aurais pas fait tous ces fails, on aurait pu faire je pense 3 missions. Mais après il y en a quand même 2, donc c'est pas mal. C'est ce qu'on fait à peu près en tous les épisodes de mission. Mais malgré ça, il y a eu beaucoup trop de choses contraignantes on va dire, de malchance. Ok si. Putain, il suffit que je parle un truc de contraignant de malchance, regardez ce qui se passe quoi. Oh là là, c'est pas... Oh putain, la police. Non, non, c'est pas le moment, hein. Je sais que de toute façon, où j'en suis, qu'est-ce que ça changerait. Vu tout ce que j'ai déjà pu avoir comme malchance, mais abusez pas non plus, hein. C'est bon. C'est bon, c'est bon, quoi. Oh là là, et on peut difficilement avoir pire, hein. Là, hein. Vraiment, waouh. C'est impressionnant. Tout ce que j'ai pu avoir de malchance... C'est pas fini, attendez, hein, c'est pas fini. S'il se passe encore un truc, je crie. Je crie, et puis réaction.
mais pas dans le bon sens. Alors, allez, j'espère qu'il n'y a pas un truc délicat à faire. Quelle vitesse il descendait la côte là, vous avez vu? Oh non, une course poursuite. Non, je suis pas prêt. Descends le pas. C'est garde du corps, mais non, mais t'es sérieux. Mais non. Et comment on va descendre? C'est pas avec le véhicule que j'ai que je vais faire quelque chose. Hein. Clairement non. Clairement que non. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi sa voix lui? Oh, c'est quoi sa voix? Mais qu'est-ce que je vais faire pour les avoir eux? C'est pas avec mon pauvre véhicule que je vais faire grand chose hein. Oh, ça ressemble trop à Watch Dogs 2 ici aussi. Waouh, ouais les Dogs, ouais. Ils sont deux véhicules en plus, qu'est-ce que je vais faire? Pauvre de moi. Ah non mais vous avez cru que j'étais qui là pour faire ce genre de truc? Eh ben, n'est pas rendu hein. Du coup c'est rond pour tirer. Et comment je peux conduire et en même temps tirer? C'est pas possible. À moins qu'attendez. Ouais, ça marche comme ça, mais oh là, ça fait des trucs bizarres avec ma manette hein, du coup. Pour tirer et tout. C'est presque aussi comme si je jouais en clos. Ça va être trop chaud, surtout que mon véhicule est en mauvais état, si j'avais pu prévoir ça encore. Oh là là. Et surtout il y a deux véhicules. C'est la première fois que ça m'arrive ça par contre hein. Dans un genre de truc là, il y a deux véhicules. C'est bon. Ah mais ça va, hein. Ils prennent bien. Hein. Donc lui il va exploser. Est-ce qu'il peut faire effet? Non. Je pensais faire un effet domino, mais c'était un peu trop beau pour être vrai, je pense. Au moins il reste plus que la limousine. C'est déjà ça. Mais il va où? Je sens pas le trajet là par contre. Dans les quartiers de Chinatown là. Qu'est-ce que tu me fais, putain? Ah, tu fais tout pour pas que je puisse te tirer dessus. Ah, je sais que c'est ton objectif de pas mourir, mais... S'il te plaît, j'ai vécu trop de mauvaises choses, là. Putain. Allez. Je pense que je lui ai mis quand même pas mal de dégâts, là. Pas suffisamment, bien entendu, mais... De quoi bien avancer. Merde, plus vite, chauffeur. Il se paye des trucs, en plus, donc normalement... Son véhicule, il prend des dégâts. Aïe aïe aïe, galère. Ah, il passe vraiment par des chemins. What the fuck? What the fuck? Ok. Ouais, il commence à faire des conneries. Putain, allez quoi. Putain, mais j'y arriverai pas. Il prend que des chemins, what the fuck là. Putain, et quand t'es prêt à l'avoir, ce con il tourne. Ah là, c'est pas facile hein. J'espère qu'il n'y a pas de limite, hein. Regardez, putain, il tourne encore, quoi. Non, mais là, s'il fait que des tournées dans tous les sens, là, j'arriverai jamais. Regardez, je peux pas, faut une ligne droite, là. Oh là 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 là. Affreux, mais je peux pas le rattraper, du coup, forcément, s'il fait que des virages. Mais ouais, il n'y a que ça, putain. Faut que je sois à proximité et il n'y a pas moyen. Si tu tournes encore la prochaine, là, on va pas être copains. C'est bon. Ah oui, mais il y a un virage là, putain. Oh là 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 là, cet épisode sérieux, mais... Putain, j'avance plus. Oh. Putain, il prend l'autoroute, ça va, allez, là c'est notre chance. Putain. C'est la police là par contre, je sais pas. Il se barre. Mais non, il se barre, je crois, hein. Mais j'arrive pas, putain, c'est pas possible! Oh, j'en ai marre, c'est impossible ce truc! Mais non, mais il se barre, mais j'y crois pas, quoi! Putain, faut que je le rattrape! Il est rapide en plus, ce con! Oh là là, là c'était l'opportunité sur la voie rapide, mais. Putain, me pousse pas, toi, c'est pas le moment! Mais j'arrive pas à le rattraper! Putain, depuis quand la limousine est si rapide que ça, quoi? Limousine, please! Oh, regardez le mal que j'ai pour le rattraper. Bon, ça va, du coup, il n'y a pas de limite en termes de distance, mais quand même, quoi. Comment je vais le rattraper, moi? Putain, s'il n'y avait pas des touches bizarres aussi pour tirer quand t'es dans le véhicule, ça aurait été mieux. Parce que là, les touches que je dois faire pour tirer, c'est affreux, hein. R2 pour aller à ma droite ou à ma gauche, ou L2, du coup, ça dépend.
Et R1 pour tirer quoi. Ah non, R1, non, c'est L1 d'ailleurs pour tirer, je dis des conneries. Oh là 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 là. Et là ça va recommencer les routes what the fuck. Putain, on n'arrivera jamais hein. Oh là là, mais regardez où on est arrivé, c'est de la folie. Mais non, mais tourne pas, mais... Vas-y, 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 vas-y. Je veux arrêter, mais please, là, mais please, mais s'il vous plaît, quoi, mais... C'est affreux, mais c'est affreux, mais on va faire le tour de la ville. Oh là là, non, mais vraiment, là... Putain, et des fois, j'entends les gens, ils disent, oh, ça existe pas la malchance, ça existe pas la chance, mais... Vous êtes d'accord, c'est de la pure malchance, cet épisode, y a que de la merde qui m'arrive. Que de la merde. Putain, mon véhicule, j'en suis, il va céder avant que je puisse l'avoir, lui. Il va être en flamme. Je serais bien malin après ça. Hein. Oh là 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 là. Mais non, mais regardez ça. Putain, le trafic maintenant qui va me poser problème. Il va réussir à s'enfuir, hein, ce con. Ça continue. Je l'ai encore à vue, mais... C'était vraiment la meilleure occasion quand j'étais en ligne droite. Mais justement, depuis qu'on est en ligne droite, c'est là où il arrive à bien me semer, quoi. À mettre de la distance. Donc en fait les virages c'était mieux, même si en virage je peux pas lui tirer dessus quoi. C'est pas mieux non plus. Oh là là, trop de contradictions. Trop de difficultés. Je sens pas le véhicule qui est devant moi là. Je le sens pas, je le sens pas. Ok. Putain. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez-vous là, j'en ai marre. Mais je vais faire le tour de la map, quoi. Mais arrêtez. Mais regardez les routes où on va, là. Mais comment voulez-vous que je puisse y tirer dessus, là? Y a rien à faire. Je peux même pas le rattraper. Putain, si j'y arrive, là, mais je serai content comme je sais pas quoi. Oh non, mais regardez la route qu'on emprunte, là. Oh non, 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 mais c'est plus possible. Putain, si on peut couper, en fait. Allez, allez, allez. Vite chauffeur, mais t'as vu déjà la vitesse que t'as, mec. Non, non, c'est bon, hein, tu peux te calmer maintenant. Vas-y, va dans le ravin. Oh, il est tombé. Oh, il est tombé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais what? Mais what? Mais non, mais retombe pas encore. Putain, il est retombé encore du mauvais côté. Oh, mais c'est bon. Remonte dans la... Oh là, c'est bon. Oui. Oh, putain. Oh, oh my god. Oh, CJ, you used to play his red hand. Oh my god. Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure, you got that, man. Oh my god. Bon, y'a la police, fuck, je m'en fous. Oh my god. Non mais sérieux quoi. Alors là, en cette fin d'épisode, j'ai enfin eu de la chance. Non, par contre, non, non, pas la police, s'il vous plaît. Non, non. Non, j'ai rien dit, j'ai pas eu de chance. Si, c'est bon. Parce que vous avez vu ça? Primo, le mec s'est jeté dans le ravin. Mais ça m'aurait pu causer de la malchance parce que du coup, moi là, mon véhicule, il allait tomber sur le toit. Du coup, c'était mort. Finalement, il est mort, le mec. Moi, mon véhicule, il a réussi à tomber sur... sur ses roues, parce qu'imaginez là en fait, le problème c'était que si... Ah merde, j'aurais dû ramasser l'étoile, je vais la ramasser là. Le problème c'est que si le mec bourrait donc avec sa limousine, donc comme ça s'est passé, mais qu'au final moi, mon véhicule, il retombait pas sur ses roues, j'aurais quand même perdu. Donc, j'ai eu quand même de la chance là. Parce que là, non, j'aurais fait tout ça pour fail. Ça aurait été dégueulasse. J'ai même pas les mots pour qualifier ça, mais... Non quoi, ça aurait pas été possible. Bon, j'ai quand même essayé de semer la police parce que je peux pas arrêter l'épisode là parce que c'est trop le bordel. Quoique ici en fait, pause, c'est plus simple. Ah mais j'ai plus la police, c'est bon. Ok, bon, on va s'arrêter là du coup. J'espère que ça vous a plu. Épisode terrible. Ah attendez, on a un appel. Terrible hein, cet épisode. Hey, Carl, it's Woozy. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Just come around and introduce yourself. My people will be expecting a visit. It's a plan, man. Later. Ok, donc comme je disais, oui, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, malgré toutes ces galères, toute cette malchance accumulée.
Bah du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me fera plaisir. C'est la récompense. Et on se retrouve du coup, bah normalement, dès vendredi pour la suite avec le 21e épisode. Finalement, moi, je vais pas tourner à la suite. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, bye tout le monde. Oh yeah.